On va se faire notre propre randonnée aujourd'hui. Alors ça va être une découverte hein, totale, parce que je ne connais pas du tout la forêt de Bercé, on m'en parle depuis pas mal de temps. Pour vous montrer un petit peu, c'est une balade qui va faire la première, les trois premiers quarts, on va dire, sont dans la forêt. Et ensuite, on va sortir pour reprendre donc ce fameux GRP entre vignes et vergers. Et puis, bah, je ne sais pas si ça va donner le coucher de soleil, mais l'idée, c'est de le faire ici. Le soleil devrait se coucher à peu près à ce niveau-là. Alors là, je vais commencer à devoir chercher mes traces. C'est pas évident, ça passe un petit peu au travers de la forêt. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très boueux. Hein. La forêt est très jolie. Hein. Alors par contre, on va faire un petit point au niveau de la plie. Donc là, il va falloir prendre à gauche quelque part. Ouais, c'est indiqué là, vous voyez. Ça, c'est l'indication. Donc, pour tourner à gauche. Donc voilà, le chemin, il se fait ici. Je vais sortir la carte, mais je vais marcher un petit peu parce que je me suis rendu compte d'un truc. C'est que comme je vous ai dit, je suis en train de créer cette randonnée pour les randonneurs de l'application Visorando. Donc du coup, je suis en train de gérer et le logiciel de création de randonnée. Il faut indiquer des points de repère, etc., etc. Et en même temps, le côté vlog avec une caméra dans la main, faire des plans de coupe, b-roll en anglais. Donc, c'est pas évident, évident. Donc ouais, il faut que je m'approprie un petit peu les deux trucs à faire à la fois. Là. Mais bon, là on est tant qu'on est sur du chemin de GR, on va dire bien marqué, ça va. J'ai eu un petit départ un peu difficile. Je pense que j'aurais pu faire plus simple. J'ai pas dit que je m'étais perdu d'entrée. Ouais, donc je regarde un petit peu quand même. C'est bien de se repérer toujours sur une vraie carte. Moi j'aime bien en tout cas, je suis assez fan. Ouais, pour le moment, c'est assez impressionnant. On va tracer, nous, on va tracer là. On va ni à gauche, ni à droite. On va quasiment tout droit et on va reprendre un petit chemin, un petit GR. En tout cas, je vais faire mon point de situation au niveau de l'appli aussi. Sur la gauche, virgule, entre les deux grands axes. Donc on va ajouter ce waypoint là, sur la carte. Et on va partir... Voilà, on part tout droit. Voilà, nous, on trace par ce chemin en terre. Donc, indiqué. Voilà, alors là, on doit facilement avoir un kilomètre et demi sur ce sentier. Alors, c'est pas de la ligne droite, mais je veux dire, il n'y a pas tellement de chances de se tromper. Il n'y a pas ni à aller à gauche, ni à aller à droite. On a juste à suivre. On arrive à une éclaircie dans la forêt. Et au passage, c'est cool parce que ça a l'air de se dégager un peu. Mais nous, on va partir tout droit, en face. Par contre, je vois des ronces. Et ça me plaît pas des masses. Je pense que ça dure un petit peu. Hein. Le chemin dans les ronces, là, je vois pas de... Je vois rien d'autre, là. Ouais, attention. Ouh! Là, c'est rock'n'roll. Là. Là, il va falloir que je mette un point, que j'indique à mes amis visorandeurs que c'est complètement un pays de ronces. J'ai pas de... Si, j'ai mon pied, mon trépied de caméra pour éclater tout ça, mais waouh! Oh, la vache! Je sais pas si vous voyez, mais je suis pas sorti de l'auberge, là. Bon, alors là, je vous dis pas. Hein. C'est la galère totale. Faut que je sorte le trépied, que je donne des grands coups de latte là-dedans. Pour me tracer un chemin, parce qu'en plus, quand je regarde sur l'application, j'ai pas 50 possibilités, c'est un peu... Oh. J'ai fait le tiers. Bon, allez, on va essayer de se la tenter. Pas évident. Je vais mettre du temps, je crois. Hein.
Franchement, heureusement que j'ai le pied de l'appareil photo. Là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il va, quoi ? Là, je vous garantis que je vais à travers le chemin. Il est là, hein. Mais c'est pas évident. Je sais pas comment je vais l'expliquer, ça, pour les viso-randonneurs. Attention, de la ronce encore. Ça passe, fougère. Je pense qu'il y a du passage quand même, parce qu'il y a des ronces éclatées quand même. On voit qu'il y en a qui sont passés par là. Ça va pas aller très vite là, au niveau de la cadence. Vous voyez là, on voit qu'il y a des gens qui passent, peut-être des animaux, hein, ceci dit. Mais entre les ronces, les... Ah la vache. Là j'arrive à quelque chose, attention, j'ai une ronce là. Bon, je me suis un peu fait déchirer, mais bon. Voilà, je sais pas si vous avez vu, je me suis quand même fait bouffer par les... J'en ai plein de bras, les jambes, je vous en parle pas. Allez, on va essayer de faire l'écho du drone. Donc ici, c'est autorisé en plus. Les ronces là, je suis désolé mais je peux pas. J'ai plus de lacets là, tout a été défait. Donc on va refaire les lacets. Pas facile hein, ce passage là, je pense que ça complique un petit peu les choses. C'est pas loin comme ça, mais bon, ça le fait quand même, c'est un peu pénible. Si j'avais pas eu de bâton, ou il aurait fallu que j'en fabrique un, ou parce que je pense que je passais pas sans vraiment me faire arracher de partout, ce qui est déjà le cas. Là, franchement, il y a des beaux paysages de forêt. Hein. Rien à dire. Très sympa. On se sent vraiment au milieu de nulle part aussi. C'est ça qui est cool. J'avoue. Même si là, il y a quelques traces de tracteurs. Mais on sent clairement que c'est pas des chemins qui sont empruntés régulièrement. Alors, attention. Je vais pas me foutre les pieds dans l'eau là, parce que ça c'est de l'eau qui a 200 ans ça. Tu mets ton pied dedans, t'as 4 maladies graves. Je vais mettre un nouveau waypoint, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Prendre à droite sur la route forestière. Virgule, non, à gauche. Bon, je me suis gouré, hein. Faudra corriger. Donc sur les 10 km j'en ai fait 3,1. Moyenne de 2,7 km/h, ça fait 1h08 que j'ai démarré. Je vais avancer un peu vite, peut-être un peu moins filmé là, dans le prochain quart d'heure, on va dire, voire la demi-heure, essayer d'arriver, de traverser et d'arriver vers le rond de la croix Chambaud, par exemple, ça serait pas mal. Alors c'est vraiment sympa parce que c'est assez varié au niveau des sentiers empruntés. Et du coup, ça, comment dirais-je, on s'ennuie pas. On passe de... passage dans la forêt, grand chêne à, je sais pas moi, 25-30 mètres de haut, sur des passages complètement dans les ronces, là, on se croirait dans la jungle, il faut se frayer son chemin à coup de trépied de photo. Et, bon, là, il faut que j'avance un peu, hein. Les gars, parce que j'ai pris du retard,
Faudra pas non plus que j'arrive dans la nuit. Alors il faut savoir que cette rando donc que j'ai comment dirais-je, que j'ai tracé moi-même sur une carte. Donc je l'ai fait un peu au pif, hein. J'ai regardé voilà, la carte GPS, le relevé satellite pour voir un petit peu le type de végétation. Google Earth pour voir essayer de voir les dénivelés. Et puis voilà, un petit peu petit bonheur à la chance là en m'amusant sur l'appli, j'ai tracé cette balade. Alors pour tout vous dire, j'en ai tracé 4 balades dans la forêt de Bercé. Qui couvre un petit. Enfin, bon, j'exagère, elle couvre pas toute la forêt, mais quand même une bonne partie. Et du coup, celle-ci, c'est la plus courte. Donc, avec ces 3 ou 4 applications, on peut assez facilement tracer une rando. Les gars, j'ai peur que ça parte à gauche. Attendez, je vous montre. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai carrément des toiles d'araignée et tout. Là, si ça part là, je suis mal, je vous montre. Je sais même pas si vous voyez le chemin, quoi. Là, c'est reparti dans un délire ronce et tout. Je suis un peu fatigué là. Donc voilà, ouais, donc faut toujours faire au moins une fois, voire deux fois les tracés qu'on crée, parce que en fonction de la météo, ça peut changer du tout au tout. Donc là, je le vois, parce qu'il y a quand même des traces, il y a pas mal d'eau en terrain. Si c'était à une saison, enfin après la pluie, ça aurait été un peu plus compliqué. J'essaye de voir un petit peu si je peux proposer cette randonnée qui est. Alors je l'aurais classée moyenne. Avant de démarrer, hein, juste au vu du kilométrage, le dénivelé, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a 170 mètres de dénivelé, 10 km, c'est quand même pas, voilà, c'est gérable, on va dire. Mais je vous dis tout de suite, avec le passage dans les ronces, là, ça, il va passer en difficile. C'est pas gérable en famille, par exemple. Donc nous voilà sur les images tournées avec la Fimipalm. Donc je suis au niveau des réglages, je suis pareil, hein. C'est-à-dire 4K, 24 images secondes, il y a le tracking du visage. Ah c'est sympa, alors j'arrive dans un autre endroit, là je vous montre ça. Alors je vois des genre un champ avec des bottes de foin là. Et vous voyez donc l'angle de vue est pas du tout le même. Bah dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Attendez, je vous montre ça un petit peu. C'est plutôt sympa. Donc évidemment, on ne va pas traverser le champ. Ça prend à gauche. Le soleil a fait ça, sa réapparition. Alors cette forêt, hein. Donc ces petites caméras avec stabilisation intégrée, elles sont sympas parce que bah, elles sont toutes petites. Comment dirais-je ? Elles permettent de filmer un peu dans toutes conditions et faire en sorte que l'image voilà, soit stabilisée. Là, à main levée, c'est quand même sympa. Vous voyez, ça bouge pas des masses. Vous voyez quand même, ça fait des images qui sont pas dégueu, quoi. Là, en plus, c'est des images que je vais traiter. Brut, hein. Je vais les mettre dans Final Cut et puis terminer, hein. Je vais pas faire de colorimétrie et tout. La profondeur de champ est très grande. Voilà, c'est pas des trucs pour faire des films artsy et compagnie. Mais je trouve que ça fait plutôt le boulot. J'ai regardé avec Google Earth, j'ai pu regarder un petit peu s'il y avait des endroits où je pourrais faire des photos intéressantes de paysages de campagne. En calculant à l'aide d'une autre application dont j'ai déjà pas mal parlé, je crois dans mon premier vlog, une application qui s'appelle PhotoPills et qui permet de savoir à tout moment où sera situé le soleil par rapport à une position. Donc ça c'est très pratique parce que vous pouvez lui dire vraiment des cas extrêmes, hein. Vous pouvez lui dire bah, dans 10 ans je serai à tel endroit, où est-ce que le soleil va se coucher, voilà. Alors là pour le coup, comme vous pouvez le voir, on est sur une autre topologie de forêt, parce que là on est sur de la forêt de pins, hein, comme vous pouvez le voir.
On a quitté les chênes de la première partie de la rando de la forêt de Bercé pour retrouver des grands sapins, des grands pins. Assez impressionnant aussi. Ils sont peut-être un petit peu moins hauts que les chênes, mais c'est très joli. Vous voyez un peu ce que ça donne, ça change de paysage là tout d'un coup. Très très sympa. Donc voilà, on est sorti de la forêt de Bercé. Et on va donc maintenant commencer. Je pense qu'on va faire beaucoup de sentiers comme ça. Et on va longer donc des champs, des cultures. Et si j'ai bien compris, des vergers, des vignes. Donc on va voir ça ensemble. C'est super joli. En plus, là, beau soleil qui sort à travers l'image. Ah non, regardez, ah ouais, ah super. Elle m'a fait peur, alors elle m'a pas entendu. Ouais. Elle m'a fait plus peur que moi je lui ai fait peur. Au final. Ah, alors j'ai vraiment pas les yeux parce que je sais pas si vous avez vu d'où elle est sortie, elle était juste à côté de moi. Bon, bah cool. Une biche. J'aurais vu. Un animal juste à côté en plus, hein, vous avez vu, à quelques mètres. Donc on va dire que c'est peut-être prometteur pour tout à l'heure, le coucher de soleil, on va voir. Alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelques vergers là tout à l'heure sur ma gauche. Ça vraiment, c'est vraiment typiquement les chemins de randonnée que moi j'aime beaucoup. Alors attention, oula, ortie à hauteur d'homme. Ouais, je disais, c'est vraiment les chemins que moi j'aime beaucoup. Petits chemins comme ça, un peu étroits, comment dirais-je, dans l'air, sinueux. On voit pas trop où est-ce que ça nous emmène là. Alors, c'est plutôt cool. Et puis surtout l'impression de se sentir vraiment dans la nature. Là, bon, il y a eu un chien qui m'a aboyé dessus il y a 10 minutes, mais. C'est-à-dire quand on sort des hameaux, on est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, entre des champs. Là, c'est du champ. Donc là, comme je vous disais, on a la forêt sur la gauche. Hein. Mais jusqu'à vraiment la dernière partie de cette randonnée, on va être sur ce type de chemin, sur ce type de paysage, c'est-à-dire... la campagne rurale française. Je rappelle, on est à 40 km du Mans, on est dans la Sarthe. Et on est donc toujours. Là, on est au sud de la forêt de Bercé. Donc là, c'est le GR. Je pense que c'est le GR. C'est le GRP, hein, le GR de pays qui passe là. Alors, je vais regarder où. Nous, on le fait dans le sens contraire, là, si vous voulez. Donc, il faut que je regarde par où on passe. Je pense que là, nous, on va vers les Boussions, c'est-à-dire qu'on va, on va derrière. C'est pas mal, hein. La petite partie, là, on a dû faire 3-4 km sur ce GR de pays, qui est assez récent, apparemment. La partie au sud de la forêt de Bercé est plutôt très sympa. J'ai beaucoup aimé les chemins. Là, ça grimpe. Vous devez l'entendre à mon souffle et le voir à mon visage, mais ça grimpe pas mal. C'est tant mieux, parce que moi, le but... Et les vaches là-bas, parce que moi le but c'est vraiment d'essayer de récupérer un point de vue en hauteur pour pouvoir faire si possible des photos de la vallée un peu, enfin de la vallée, c'est assez plat hein, comme pays ici, on peut pas vraiment parler de vallée, mais voir un petit peu ce qu'il y aura en contrebas. Bon, alors me voilà arrivé dans la, on va dire, la dernière partie, la dernière étape même, je dirais, de cette randonnée. Je suis dans le hameau qui s'appelle les Boussions. J'espère que je prononce bien. Donc le petit hameau très sympa, très tranquille. Donc c'est entouré de champs, pâturages, des prairies pour les vaches, etc. En tout cas, c'est très sympa. Donc en fait, on a démarré au rond du clocher ici. On a traversé là à travers la forêt. Ensuite, on a fait toute la partie... je ne sais pas si vous vous souvenez, entre
comment dirais-je, dans les ronces. Donc c'est une partie qui est à peu près ici, jusque là à peu près. Ensuite on est redescendu sur le rond de la croix de Chambaud. On a repris donc du coup le GRP ici. On est redescendu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est arrêté le Grand Clairet. C'est là où on a fait une pause, j'ai fait voler le drone et bu un coup, etc. Et ensuite c'était toute la partie en fait du GR qui était dans les, entre les hameaux, entre les pâturages, les champs, etc. Et puis donc on est allé jusque là, et là on est à peu près ici, donc juste à côté de la voiture, on va bientôt, bientôt pouvoir rentrer. Donc voilà un petit peu cette balade, hein. Vous voyez un petit peu la forêt de Bercé, ce que ça représente. Elle n'est pas très très grande, hein, mais bon, il y a de quoi faire, hein, en termes de randonnée, il y a de quoi faire. D'ailleurs, le GRP, c'est une boucle qui fait à peu près 100 km hein, de long, de mémoire, 98 km. Donc, il y a quand même de quoi faire. On pourrait même éventuellement le faire en 3 jours, par exemple, ou 3 nuits plutôt. Enfin, voilà, donc voilà à peu près où on se situait sur la carte aujourd'hui. En tout cas, bah, du coup, il y a une très belle lumière. Il pourrait y avoir un beau coucher de soleil, mais j'ai pas trouvé de truc joli pour faire des photos, même là en forêt. C'est un peu dommage. Donc je sais pas quoi faire. En tout cas, j'ai hâte, sincèrement, hein, j'ai hâte de revenir dans la forêt de Bercé. C'est vraiment, on me l'avait bien vendu. Ben, c'est très très joli. Donc sur l'ensemble de cette randonnée, finalement, du goudron, peut-être qu'on en aura fait 250 mètres. Mais vraiment par petits bouts, c'est sincèrement je dirais que c'est négligeable. Alors je dis ça pourquoi, c'est parce que moi j'aime pas trop quand je suis sur des routes goudronnées. Ou alors il faut vraiment que ce soit des trucs perdus au milieu de la campagne quoi. Donc toujours pas de photo, toujours pas sorti de l'appareil. Je vais essayer d'aller vite fait en bordure de forêt, voir si je peux faire voler le drone une dernière fois. Il me reste une batterie. Et apparemment il revole. Après le crash. Il revole, j'ai fait un essai, ça avait l'air d'aller donc. Alors il me reste encore 3 randonnées à faire que j'ai tracées dans la forêt de Bercé. Celle qu'on a faite aujourd'hui, c'est la plus courte, hein, évidemment, je manque un peu d'endurance, on va dire. Il reste 3 randonnées, 16, 18 et 20 de mémoire, qui vont exploiter différents endroits de cette forêt. J'espère pouvoir en faire une la semaine prochaine. En tout cas, si ça vous intéresse et si mes vidéos et mes randonnées vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis surtout un petit pouce, un petit j'aime. Ouais, c'est toujours sympa. Écoutez, on se retrouve bientôt, j'espère, dans cette forêt de Bercé qui m'a beaucoup plu. En attendant, je me fais un petit planteur. Là, c'est le planteur de Tonton Séverin. C'est celui qui fait du bien.